Allez, donc les gars, comme je le disais, voilà, on a déjà fait le premier enregistrement. Et voilà l'interface de la bourse de Russie, voilà la bourse du gouvernement russe 2022 et 2023. Donc, on a déjà fait l'enregistrement. Pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo, essayez d'aller de voir parmi mes vidéos. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait l'enregistrement avant de venir voir cette vidéo ou bien regarder en description ou bien en commentaire. Vous allez voir le lien s'y trouve. Voilà, donc ici nous avons déjà fini de faire l'enregistrement. Alors, pour faire le deuxième tour, c'est-à-dire pour faire le premier tour et ce qui consiste le deuxième enregistrement, pour pouvoir participer au premier tour, le premier tour là-bas, il faudra mettre comme ça le passeport et puis le bulletin. Voilà, et je vous avais déjà donné des astuces qui disaient que vous devez, par exemple, comme ça, essayer de mettre aussi les éléments qui sont déjà traduit, comme ça va aller vite et vous serez privilégié. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire quoi? On va choisir les universités. Vous voyez, ce sont les étapes qui sont là en même temps, comme ça. Bon, je vais mettre en français, comme ça vous allez pouvoir vous retrouver. Maintenant, pour ceux qui vont essayer de traduire l'interface et qui ne pourront pas traduire l'interface, essayez de suivre seulement la flèche qui va essayer de où la flèche s'y trouve, vous aussi vous regardez et puis vous faites la même chose, c'est tout. Voilà. Donc, comme je disais, dans un premier temps, vous allez choisir les universités qui sont là. Voilà. Et vous allez faire le remplissage. Vous allez mettre vos documents. Et ensuite, vous allez être sélectionné pour le premier tour. Voilà. Et après, vous allez faire un deuxième tour ici encore, au troisième plan. Et ensuite, une fois que vous êtes sélectionné, vous pouvez maintenant aller voir, chercher le visa et venir par rapport aux conditions de votre pays et de la Russie. Voilà, donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'entrer, puisque je vous ai déjà dit, nous avons déjà fait l'enregistrement, donc on va aller directement. Voilà, donc je vais cliquer sur entrer. Voilà, et de là-bas, on va pouvoir utiliser et partir en même temps. Voilà, donc comme vous voyez là, j'avais déjà enregistré mes coordonnées sur mon Google. Voilà, donc il a enregistré directement, donc je n'ai pas besoin de entrer encore mes coordonnées. Donc directement, je vais me souviens-toi de moi et je vais faire entrer dans le nom. Je dois me retrouver sur l'interface. Voilà, mais s'il y a un souci, ils vont me dire, je vais remettre, c'est pas un problème. Voilà, donc voici mon interface. Donc voici le nom que j'avais choisi qui est là. Voilà, et je vais essayer encore de mettre en français, comme ça va nous arranger tous et ça va éviter des questions. Si vous avez des questions qui vous dérangent vraiment, essayez de les poser en commentaire, je vais répondre de façon instantanée. Voilà, une fois que je vois, je réponds. Donc, si vous avez des questions, essayez de les poser en commentaire. Ça ira un peu plus vite. Donc, un instant que le site charge. Voilà, il y a un souci de chargement. Le site va charger. Ok, donc, arrivé là, vous avez vu, il y a trois dates ici. 2020, c'est passé. 2021, c'est passé. 2022-2023, c'est ici, voilà. Donc, ce qu'on va faire est très simple. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, qui viennent juste de voir, vous allez d'abord regarder là, vous pouvez télécharger ce qui est là. Vous allez voir comment est-ce que vous pouvez vous inscrire. Voilà. Vous allez voir comment, quels sont les processus, quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir faire l'enregistrement et pour passer la première étape. Donc, c'est fait ça. Ne suivez pas tout ça. Donc, ici, voici la première étape. Ça, c'est l'élément PDF qui vous montre ça. Donc, ça, c'est la première étape. On s'est déjà enregistré et tout, tout, tout. Donc, une fois que vous finissez là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez là, vous vous enregistrez maintenant par rapport à vos données personnelles. Voilà. Vous mettez toutes vos données personnelles ici. Vous confirmez. Et lorsque vous confirmez, je suis en train de vous montrer parce que je vais vous montrer, je vais essayer moi-même de le faire pour que vous puissiez voir de façon pratique. Donc, une fois que vous finissez de mettre vos données personnelles, voilà, vous allez venir maintenant ici. Vous allez reprendre, rentrer de nouveau. Et lorsque vous rentrez maintenant, vous allez venir là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire le choix de votre département, de votre, je vais dire, université ici. Voilà, de votre filière. Et lorsque vous faites le choix de votre filière, vous avez là pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mettre tous les documents et essayer de remplir. Vous allez mettre vos filières, vos facultés ici. Et essayer de remplir
pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir passer la première étape de la sélection. Voilà. Donc, on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà, pour ne pas perdre le temps, je vais aller directement ici et on va créer notre compte en cliquant sur Sazavat Novoy Svirko. Je vais, j'essaie, je mets en français, mais il revient toujours en russe. Donc, je clique là, ici. Ok, donc une fois que vous atteignez cette page-là, voilà, ici vous allez commencer à remplir. Vous remplissez avec les données que vous avez. On va essayer de le faire ensemble, comme ça vous allez pouvoir vous en sortir. Voilà. Donc ici je mets, je vais traduire. Voilà, c'est mieux que je mette ça en français. Comme ça vous allez vous retrouver. Ok, donc nom de famille, j'avais mis, voilà, ici, nom de famille, cyrillique, transcrit en russe. Donc ici, ça doit faire, ça doit être en russe. Donc, je vais mettre mon clavier en russe pour pouvoir écrire l'élément en russe. Maintenant, si chez vous là-bas vous ne pouvez pas, par exemple, mettre l'élément en russe, vous allez dans la traduction et vous allez pouvoir mettre cela en russe. Voilà. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas écrire en russe, vous pouvez laisser dans les normes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Google, par exemple. Vous allez aller sur Google. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez écrire votre nom en russe. Je vais aller par exemple sur Google. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher Google Translator. Ici, vous écrivez Google Translate. Voilà. Google Traduction, ici, voilà. Et vous insérez votre nom. Et la traduction, vous allez avoir une traduction en russe pour pouvoir copier et coller là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, je viens sur Google Traduction. Ok, ça m'envoie ici. Un instant, il y aura les deux cases. Vous allez les utiliser pour pouvoir, voilà, ici. Vous allez choisir, soit vous écrivez en français et la traduction doit être en russe. Donc on va chercher russe. Ici, on va chercher russe là. R, donc voici russe. Voilà, donc je vais écrire mon nom que j'avais mis là-bas et ça sortira en russe. Dans les normes, c'est pas kilogramme, voilà, c'est kilio, c'est pas kilogramme. Ah, j'ai mis, voilà, kilo, c'est pas kilogramme. Donc vous pouvez mettre par exemple comme ça, Eric. Vous voyez, ça sort en russe, Eric ici. Voilà, et vous allez venir la copier. Mais moi, je vais, moi c'est Kilio, donc je vais prendre ici Kilio, comme ça doit faire, ça doit passer en russe. Voilà, il ne veut pas avoir une traduction en russe. Donc je vais, il vient ici, je copie la traduction. Voilà, et une fois que je copie, je reviens maintenant dans mon enquête où j'ai tenté de postuler. Je reviens là pour pouvoir coller ici par exemple, vous voyez. Donc je vais pouvoir coller ici, je mets comme ça et ça colle. Voilà, mais ici c'est pas kilogramme, voilà, ils ont mal interprété, c'est kilio, c'est pas comme ça en russe, kilio c'est autrement. Donc c'est ainsi, comme ça, voilà, Kilio. Donc une fois que c'est fini, je viens là, ici c'est nom de famille, ici c'est le prénom, ici je vais mettre par exemple, j'avais mis Auguste, même Gustave.
Voilà, ah, c'est en russe encore. Je vais changer encore mon clavier pour mettre en russe, en français ou bien en anglais. Donc ici, c'est quoi, Gustave? Voilà. Et on me demande encore la transcription en russe. Comme je vous ai déjà montré, voilà, vous allez faire cela comme ça. Vous allez aller sur Google et puis vous allez voir. Donc ici, lieu de naissance, selon le passeport, lieu de naissance, je vais mettre quoi? Abidjan. Ok, la date de naissance, je vais utiliser, comme je viens pour la licence comme ça, je vais mettre 2003, je crois. Ici, je viens là. Je choisis d'abord la date. Ici, vous cliquez sur 2021 qui est là. Vous allez choisir d'abord l'année et ensuite vous allez pouvoir choisir ce qui vient. Donc ici, je viens un peu vers le bas, un peu vers le haut. Je vais mettre 2000, combien? 2003 ou bien 2004 pour la licence. Voilà, 2004 ça fait un peu plus jeune. 2004, voilà. Et le 16 septembre 2004. Ok, 16 septembre 2004. Et ici ils ont mis quoi? Ici c'est pas seul, bon c'est une mauvaise traduction. Donc je mets homme, ici situation familiale célibataire, statut de patriote uniquement pour les citoyens russes. J'ai le statut de réfugié, je suis apatride, non. Citoyen, citoyenneté, vous mettez votre pays ici. Ici, je vais mettre Côte d'Ivoire. Ok, s'il n'y a pas Côte d'Ivoire, alors ça sera en russe forcément, ou bien c'est Ivory Coast. Donc on va chercher rapidement Ivory Coast, ou bien. Ok, un instant. Voilà, Côte d'Ivoire est là. Côte d'Ivoire, ok. Et ici, information sur les visas. Visa requis. Voilà. Vous utilisez visa requis. Et là, vous allez. Où est-ce que vous allez obtenir le visa? C'est dans votre pays. Ceux qui sont au Burkina aussi, ils mettent Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez savoir quels sont les pays, dans quel pays vous allez prendre votre visa, vous devez regarder sur le net. Si vous n'avez pas d'ambassade dans votre pays, vous allez forcément lier à l'autre ambassade dans un autre pays. Donc ici, je mets Côte d'Ivoire. Donc pays obtention de visa Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a l'ambassade, donc l'ambassade de Russie. Le Burkina prend aussi son visa en Côte d'Ivoire. Donc je mets Côte d'Ivoire et la ville c'est Abidjan. Ok. Une fois que c'est fini, voilà. Ici, vous allez mettre l'identité du passeport. Donc vous allez mettre votre numéro du passeport. Ok, date d'émission, regardez juste en dessous de votre passeport là, ils ont mis délivré quand et puis expire quand. Donc vous vérifiez bien et vous allez voir, c'est juste en dessous de votre passeport. Donc je considère que ça a été délivré, mon passeport a été délivré en 2020. C'est-à-dire avec 5 ans d'ancienneté, avec 5 ans de voyage, avec 5 ans de temps, voilà, ça va expirer dans 5 ans. Alors, c'est de 2020 en 2025. Alors, ici, je vais mettre par exemple comme ça. Bon, je considère que c'est en 2021 qu'ils ont fait le passeport. Donc, je vais rien changer. Je vais juste prendre le 17. Voilà. Et ici, c'est en 2021. Alors, c'est en 2026 que le passeport va s'expirer. Donc, essayez de voir aussi dans votre pays. Si vous n'êtes pas parmi la CEDEAO, voilà, forcément, vous êtes peut-être à 4 ans ou bien 7 ans d'utilisation de votre passeport. Chez nous, là-bas, c'est 5 ans. Voilà, donc ici, septembre 2025. 2026, voilà, c'est à 5 ans. Donc, une fois que vous finissez maintenant, adresse du domicile en Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et que vous êtes ailleurs, vous pouvez mettre aussi. Mais je vous conseille de mettre votre pays d'origine. Ainsi, ça sera facile pour vous d'examiner vos dossiers. Donc, ici, je cherche comme ça Côte d'Ivoire. Ok.
Ok, après ça, c'est le code postal. Vous mettez votre code postal, voilà. Et ici, ok, Lagune. Région des Lagunes. Ville, localité, vous mettez Abidjan. Voilà. Et ici, immeuble, appartement, rue, Serge, appartement, où vous essayez de séparer. Ici, si moi je sais pas, mon temps va s'arrêter. Donc, ici, appartement 4. Voilà. Ok. Après cela, ici, niveau d'éducation reçu ou bien existant. Voilà. Ici, par exemple, comme ça, si vous venez pour la licence, vous allez mettre comme ça que vous avez eu le bac. Et si vous venez pour le master, vous allez mettre comme ça que vous avez eu la licence. Voilà. Donc, niveau d'études, ici, je vais choisir, vérifions ici. Voilà. Enseignement secondaire général. Donc pour ceux qui viennent par exemple pour le doctorat, ils vont mettre la maîtrise. Pour ceux qui viennent pour la maîtrise, ils vont mettre le premier cycle. Voilà, si vous avez fait une spécialité aussi, vous allez mettre spécialité. Mais ici, vous allez mettre enseignement secondaire général. Donc le nom de votre établissement, c'était quoi? C'était lycée municipal ou bien lycée moderne ou bien ce que vous voulez. Voilà, vous mettez le nom de votre enseignement ici. Moi, je vais mettre le lycée. Et puis, je vais mettre le pays où vous avez eu le diplôme. C'est quoi? C'est Côte d'Ivoire. Moi, c'est Côte d'Ivoire, je vais prendre Côte d'Ivoire. Chez Côte d'Ivoire ici. Un instant que je trouve ma Côte d'Ivoire. Ok, Côte d'Ivoire. Et après cela, la ville où c'était, à Abidjan aussi. Donc la ville où l'école était, c'était Abidjan. Et ici, par exemple comme ça, la structure, la rue, la maison, le bâtiment, ça c'est comme l'adresse. Voilà, vous pouvez regarder sur votre bulletin, vous allez voir ces éléments-là là-bas. Donc je vais mettre comment si 05. Voilà, donc c'est à vous de voir. Donc ici, entre l'année d'obtention de votre diplôme. Vous avez par exemple obtenu le diplôme, vous venez cette année, alors vous avez obtenu le diplôme en 2020, comme ça. Voilà. Obtenu le diplôme en 2020. Et ici, candidat, email, le mail, je vais prendre quoi? Monde. Ok. C'est bon. Et ici, votre numéro de téléphone. Ok. Ok, ce numéro de téléphone pour ceux qui veulent qu'on participe à leur remplissage. Voilà, ils peuvent nous écrire ce numéro de téléphone via WhatsApp. Toujours connecté. Donc, quel que soit l'heure, vous pouvez m'écrire, c'est pas un problème. Donc, contact des représentants. La personne qu'on peut contacter au cas où. Voilà, donc vous allez mettre les coordonnées de cette personne là ici. Donc je vais mettre par exemple comme ça, c'est qui? C'est un frère, un oncle ou un père. Je vais mettre un frère comme ça. Voilà, nom de famille de cette personne là, c'est quoi? C'est ça va faire aussi Kilio aussi. Voilà, et le prénom ici, Kilio Jules. Ok, et ici, deuxième nom si vous voulez vous insérer ou bien vous laissez. Donc 00225 48 non 00225 07 59 33 12 44. Voilà. Et l'adresse email de cette personne-là, je vais prendre mon adresse email. OK. Donc ici, on te demande si c'est un apatride, c'est pas la peine, ne mettez pas ça. Un apatride, c'est une personne qui n'est pas
qui n'est pas dans son pays, qui n'a pas la citoyenneté dans son pays d'origine et n'a pas la citoyenneté dans le pays où il est actuellement, vous comprenez? Donc, vous, c'est pas le cas, vous êtes bel et bien citoyen d'un pays, alors vous ne cochez pas apatride. Maintenant, on va prendre ici citoyenneté Côte d'Ivoire. Donc, vous faites la même chose pour ceux qui ont les éléments en russe. Voilà, vous faites aussi la même chose. Donc, cette personne est née en quelle année? Étant donné que lui, il va être mon grand frère, il sera né peut-être en 91. Voilà, ici, 91, le 25 septembre 91. Ok, donc. Comme vous voyez là, ça c'est ce sont les remplissages. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder ça. S'il y a un souci, ils vont me dire, je vais aller rectifier. Voilà, donc au contraire, c'est sauvegarder. Vous avez vu, c'est sauvegarder. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez continuer en cliquant sur quoi? En cliquant sur ici, aller plus loin. Voilà, ça va vous envoyer ici. Vous voyez, c'est pas encore fini. Je vais remplir cette étape là et je vais m'arrêter. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver un peu plus facilement. Donc ici, pour les déclarations, on a fini avec cette partie là. On est là. Après ça, on joint les dossiers et on envoie notre demande pour participer à la première étape. Vous comprenez? Voilà. Donc pour remplir tout ce qui est là, on va éditer. Ou bien ce qu'on va faire, je vais m'arrêter là pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire une deuxième vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment est-ce qu'on édite. Et puis, oh, fini. Voilà, donc les gars, tout à l'heure. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, essayez de liker. Voilà. Et puis, posez vos questions en commentaire. Je vais essayer de vous aider. Ça sera mieux. Ok les gars, à plus et à tout à l'heure.